Les amis, vous arrivez donc après une journée de voyage, vous commencez à arriver dans les prairies, dans les endroits habités en fait de la vieille tour. De l'endroit que vous visez, d'aller chercher l'intendant donc dans le village de la vieille tour. Et là, vous arrivez vers les premières habitations. Et vous entendez, du moins celui, le joueur qui a le plus, Louis Fine, entend un petit chant s'élever par ici. Hop, vous voyez le ping. Et celui qui a la vue la plus affinée voit un homme, un jeune homme, peut-être même un garçon, en haut, donc perché, en haut de cette tour de guet. Qu'est-ce que vous faites, Grandlec? Préviens les autres que justement il y a quelqu'un qui est au-dessus de la tour de guet, qu'on fasse attention, voir s'il n'y a pas un petit peu découvert pour qu'on puisse peut-être avancer derrière l'arbre sur la droite. Eh ben, vous déplacez votre personnage pour que je vous libère le champ de vue. Tout le monde ou... Donc, venez sur la droite, faites attention, il y a une tour là-bas. On est sur le chemin. On suit le chemin. J'ai vu quelqu'un au-dessus. Il y a quelqu'un qui est en train Toi, tu fais ça. Toi, Théo, qu'est-ce que tu fais? On fait dans l'ordre. Théo, qu'est-ce que tu fais? Écoute, c'est un gamin, tu m'as dit. Ouais. Ah, bah, on a rien à craindre, moi, je vais avancer. C'est bon, on suit le sentier, de toute façon, on est sur le sentier, c'est ça? Exactement. D'accord. Puis moi, ça y est, je retrouve enfin un environnement citadin, donc c'est pas que je suis un petit peu la route et que je cherche où aller à ta l'air, mais je peux lui demander au gamin. Mais est-ce que je peux adresser la parole au gosse? Alors qu'on n'a pas le droit d'y être? Mais il le sait pas, le gosse. On l'a. Oui, voilà, c'est pour ça. On est passé par la porte. Pour ça, moi, je voulais avancer et demander, lui poser une question au gamin. Je peux essayer d'adresser la parole au gosse? Vas-y. Tu es en train d'adresser la parole. Donc, toi, t'es en deuxième, Théo. Tu vois ce qu'il y a, du coup, de l'autre côté. Je te libère le champ. Hop. Je peux parler au... Enfin, vas-y. C'est mon tour, là, je peux... C'est Bob qui parle... Non, c'était Théo qui parle en premier. Enfin, on a fait un tour de jeu, c'est... Vas-y, tu marches dessus, là, attention. N'aie pas peur, c'est Bob. C'est toi qui viens de me marcher dessus. Hey, gamin, on est loin de la ville. Hey, gamin. C'est quoi cette voix? C'est quoi le paladin qui a changé? C'est plus l'acquisition, maintenant. C'est un gamin. C'est le chatard Saint-Tropé, là. Et donc, pendant que t'es en train d'adresser quelques mots au gamin, qui était un peu rêveur, qui voyait un peu à droite à gauche, il se tourne comme ça, il a les yeux qui brillent en te voyant arriver, tu peux presque voir ce qui se passe dans sa tête. C'est-à-dire qu'il voit un homme avec une grande armure de plate, je suis Batman pour lui. Brillante. Quoi ? Je suis Batman, donc là pour lui... Voilà, exactement. En mieux, bien sûr. Et donc... il a les yeux brillants posés sur toi, alors que toi, Bob, tu veux parler, t'avances, t'as presque lu dans ses pensées qu'il te calcule même pas, il est omnubilé par l'armure étincelante du paladin. C'est dingue l'effet que tu fais aux gens qui te connaissent pas. C'est peut-être le tuer, gratuit. Et donc, comment tu veux mourir? Et donc, tu vois, toi, Shin, par contre, à droite, donc, les chants viennent donc de cette jeune femme en train de laver son linge, à côté donc d'un étang. Je te laisse déplacer ton personnage, Shin, et toi, Grandlec, pendant ce temps-là, toi, tu es un peu, donc, pour te paraphraser, donc, tu es un peu en mode parano, quoi, parce qu'au départ, t'étais vraiment méfiant, tu disais « Oh mon Dieu, il y a un gamin qui nous observe, il ne faut pas y aller !» Et à ce moment-là, y a tous tes potes qui ont fait « Mais c'est qu'un gamin !» Ils y vont comme ça, comme si de rien n'était, c'est cool, on est là, bah tout oui, ça, mais bon... Il faut, parce que si on se comporte de manière suspecte... Un petit peu de prudence, ça pourrait être bien aussi.
Ah mais si on se comporte de manière suspecte, genre en rampant sous les arbres en mode Metal Gear Solid avec des cartons, je crois qu'il va pas se poser des questions, le gosse. On aurait au moins pu regarder, essayer de voir ce que c'était dans les environs. Mais donc bon, Théo, tu t'approches j'imagine donc du gamin, je te laisse te déplacer. Et ouais, le gamin, de loin, à portée de voix quoi. Ouais d'accord. Le gamin commence... Vu qu'il va rien calculer de ma vie, est-ce que j'ai le droit d'avancer un petit peu plus sur le chemin et de voir si je vois des choses de là où je me trouve? Ouais, en effet. Parce que du coup, ça sert à rien, on va le laisser parler avec son petit fan. Allez. En effet. Donc, je te tu veux un autographe? C'est quoi ton jeu préféré? Donc, t'as vu la dernière vidéo? Non, il a pas vu. Donc, le gamin donc, s'approche vers toi et... Te regarde, Théo, il fait, mais vous êtes un vrai paladin? Bien sûr. En fait, c'est facile d'avoir le paladin dans la poche, il faut juste caresser son ego dans le sens du poil, c'est tout. Donc, c'est trop facile. Donc, le gamin, il s'approche vers toi et il te touche comme ça ton armure, si tu veux bien. Et il te dit, c'est une vraie armure? Bien sûr, c'est une vraie armure. Elle a été forgée dans les églises de la lumière. C'est tellement stylé. Wow. Quand je serai grand, j'aimerais être paladin, comme papa, avant qu'il meure. Mais c'est parce qu'il est dans un monde meilleur, maintenant. Il est avec la lumière. Et il veille sur toi, de là-haut, Billy. Ah, bien joué, Comment vous savez que je m'appelle Billy? Ah! C'est parce que je suis paladin! Tu comprendras quand je tu seras impressionné! C'est ça. Je suis ton papa. Je suis de retour. Toi aussi? Mon petit Billy. Donc. Donc, il te dit, après t'avoir caressé ton ego dans le sens du poil, il te dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il se retourne, il va chercher de l'eau et il te le tend, toujours les yeux totalement brillants. Écoute, Billy, gamin, est-ce que tes parents... Je m'appelle Hans. Écoute, Hans, est-ce que tes parents sont par là? Il y a ma tante, mais ma mère et mon père sont morts. Mais très bien, mais écoute, viens avec moi, on va aller parler à ta mère, d'accord? Il est mort en protégeant ma mère et... oui, oui, venez, venez. Ce dialogue de sourd, le paladin qui écoute pas le gars, eh bien, Billy. C'est gars, il se fait très par le bras. Beaucoup, mon père et ma mère sont morts, très bien. Vu de l'extérieur, franchement, on vient d'arriver dans le bled et tout. Allez, viens, mon gamin. Montre-moi où est ta tante. Parfait, viens, Billy. À la Batman, tu t'appelleras Robin maintenant. Oh putain. Donc très bien. Là, je me tourne vers Grunleg, je dis putain, il a recommencé. Mais non, je suis gentil. Ouais, on avait dit de plus laisser proche des enfants. Hein. Ouais, voilà, il y a un arrêté préfectoral, merde. Il y a donc une ordonnance d'éloignement. Pendant ce temps-là, donc Chine, dis-moi. Bah moi, je vais pas embêter la pauvre ménagère qui fait son linge ou je sais pas quoi. Je l'observe de loin. C'est déjà suffisamment creepy, je pense. Tu es la J'observe Théo de loin partir avec un enfant, donc je me dis ça craint. Bah, je pars pas. Je vais vous passer devant parce qu'on va aller lui et moi. On va aller par là. Je pense que c'est elle. Attends. On va par là. Ok. Donc c'est ce qui se passe. Donc il va hop. Il descend et il va vers là. Donc pendant qu'elle est en train de chanter. Il dit tante Elisabeth, il y a un paladin, regarde, c'est lui. Et il pointe du doigt donc dans ta direction Chine, puis après tu fais ah non, toi lui, et montre le paladin. Donc cette ravissante jeune femme avec une étincelle de malice dans le regard pose ses yeux plutôt, puis assez fraîche, assez souriante. Donc tu vas me faire en même temps un test, Chine et Victotea, depuis tout à l'heure, tu vas me faire un test de perception, si tu as perception, ou alors de physique. Ok, okay. Bah physique 65, ok. Vas-y. Allez, lance les dés. Et tu peux lancer, est-ce que je peux lancer les dés sur le truc, là? Tu sais, avec le programme. 39. Alors, pendant que t'as un petit sourire niais en coin, Chine, tu vois à travers les feuillages, voilà, c'est un peu ça. Tu vois à travers les feuillages, tu es probablement le seul à avoir remarqué ça, des cocons d'araignées suspendus.
dans le toit, des cocons d'araignées qui sont par ici. C'est Halloween bientôt. Sympa la déco. D'accord. Et qui sont vraiment très bien cachés entre les feuillages. La jeune femme ne semble pas avoir remarqué, ces cocons n'ont pas éclos. Et ils te font penser, d'après la structure, d'après ce que tu as pu voir pendant la cuisine de Grand Lake, que ça ressemble typiquement aux araignées que vous aviez rencontrées quelque temps auparavant. Bah, je lui demande à la dame, je dis, excusez-moi, est-ce que vous êtes au courant que votre buisson voisin est rempli de saloperies, enfin de cocons ? De quoi vous parlez ? Regardez bien, vous pouvez identifier les formes, regardez, ce sont des cocons d'araignées. Elle se tourne, donc elle voit rien, parce que toi, t'as vraiment, il faut bien te dire que tu as un sens vraiment aiguisé. Donc, et que tu as un peu comme dans Matrix, tu as vu les chiffres comme ça passer devant toi. Donc les araignées remuées à travers les cocons. Voilà, exactement. Et donc elle se retourne et elle s'approche des feuillages pour ouvrir les feuillages pour voir à travers. Mais fais pas ça, enfin. Mais non, ouais, je lui invite pas à ouvrir les feuillages. Enfin, vous voulez pas les voir de près? Super, parce que moi j'ai un peu peur, moi j'ai un peu la trouille. Mais non, mais qu'elle est savoir si elle est consciente que voilà, qu'elle est vieille. Non, apparemment elle est pas du tout consciente. Sinon. Non mais il y a le paladin pour ça, c'est bon. Oui, donc tour de table, qu'est-ce que tu fais Grand Lake? Depuis le temps qu'ils sont en train de discuter et de bien claquer plein d'actions à l'infini, j'ai rien marqué moi sur le haut de ma route. Alors sur la route, tu vois, c'est ça? Bah je faisais un alentour pendant qu'ils discutent. Écoute, je regardais surtout à droite et en haut les donc, deux chemins. Par là, donc à gauche, tu vois donc qu'il y a des champs qui s'étendent à perte de vue. Bon. Tu vois par là que la civilisation approche, qu'on arrive vers la vieille tour et qui va probablement avoir quelques champs, quelques habitations avant d'arriver dans la ville. Pas mal. Et par là, on reste quand même encore à la périphérie. Par c'est là. Rural. Voilà, exactement. Mmh. Donc voilà, donc tour de table, je disais, Grand Lake, qu'est-ce que tu fais alors que tu vois la tante, la jeune femme en train de t'ouvrir les feuillages sous les regards médusés? Vu que je viens de prévenir que ça pouvait être dangereux, je vais rusher vers les feuillages pour essayer de. Question, il y a d'agir comment si jamais il y a quelque chose qui sort. Eh ben, si tu m'avais écouté, tu saurais que oui. D'accord. On va mettre ça sur le compte de ta relation très. Très étrange. Ouais, j'ai eu des visions d'horreur quand même, j'ai vu la civilisation. Non, c'est surtout le fait que tu l'as dit à la gonzesse, donc les gens ont dû se retourner, enfin Grunleck et Théo ont dû se retourner, et eux ils sont au courant vaguement. Donc, Oui, ils te font confiance, enfin autant que faire se peut du moins. Donc Grunleck, il va donc vers les feuillages, il s'interpose, alors qu'elle elle regardait. Mais est-ce que je vois les cocons aussi du coup en m'approchant? Oui, en t'approchant, oui, tu vois les cocons. Ils ont pas encore éclos évidemment. Ils sont loin d'avoir éclos, mais ça. Ils sont dans tous buissons là. Voilà, exactement. Donc, et probablement, lequel d'entre vous a une meilleure connaissance de la nature entre Chine et Grand Lake? Chine. Chine, probablement. Chine, il renie toute la nature depuis quelque temps, donc je sais pas si. Ouais, mais là, il serait temps que je m'y remette parce que ça la fout mal, quoi. Donc, tu sais que quand ils vont éclore, ils vont probablement se répandre dans l'eau, au passage. Dans l'eau, d'accord. Et pourtant, ouais, c'est la même espèce, la même race qu'on a croisée. Oui, mais les œufs. Des araignées amphibies. Les araignées amphibies, très bien. Est-ce que dans le buisson voisin, celui-là, il y a aussi des cocons? Que j'imagine ils sont venus pondre dans les parages, et ils sont pas arrêtés à se. Tout à fait. Ok, donc ça craint du boudin. Donc, je faisais un tour de table, sauf que ça s'est passé en dernier. Ah, donc il y a Grand Lake qui a parlé, qui a dit ce que je faisais. Donc après, c'est Théo. Théo, qu'est-ce que tu fais? Je vais m'approcher, je demande à la dame, madame, est-ce que vous habitez par ici? Oui, est-ce que vous avez le permis de ces cocons? En fait, je me suis un peu éloigné avec mon neveu pour laver le linge, hein, parce qu'en ce moment, l'eau, c'est pas trop ça. Dans l'eau du puits, l'eau est en train de se tarir. On pense que c'est les en dessous, c'est sûrement obstrué par des algues ou je ne sais trop quoi. Mais en ce moment, on a du mal à avoir de l'eau où
au village à la périphérie de la vieille tour. Et c'est pour ça que je suis venu ici laver le linge. Donc, mais oui, je peux vous dire. On dirait le début d'une quête de Warcraft. T'as le truc à Paris, tout. La quête chiante, la quête relou. Ouais. Non. On a déjà des éléments de réponse par rapport à ça, donc roulez. Donc, si vous voulez, je peux vous emmener au village, si vous voulez. Je peux vous guider. Ouais, très bien. Bah, écoutez, on va faire ça. Est-ce que vous pouvez rassembler nos affaires et nous emmener au village? Si vous pouvez répondre à ma question, par contre, messire, que fait un paladin par ici? Nous avons à craindre quelque chose? Pas du tout. Les paladins sont là pour protéger les gens. Bah oui, c'est bien ce que je viens de dire. Il n'y a rien à craindre. Donc, nous nous promenons absolument dans tous les endroits où les gens ont besoin de notre aide. Et tout va bien. Circuler. C'est presque ça. Tu sais, elle te regarde, c'est genre l'air suspicieux. Si elle avait un bouc, elle serait en train de faire ça, tu vois. Donc, y a rien à craindre, madame. Écoutez, laissez la police faire son travail. Ouais. C'est ça. Donc, très bien. Elle n'a pas l'air très très convaincue, hein, partons. Et il ne se passe rien. Tout est normal, rien n'est suspect. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Non. C'est ça. Alors moi, je vais aller vers Chine parce qu'il m'a vaguement appelé. Ouais. Oui, voilà. Oui, donc oui, après, parce que donc, je tour laisse de Théo parlementer, donc mais en même temps, je suis en train de bouillir sur place. Les araignées qu'on a croisées partout. Et puis attends, parce que je suis sympa, je vais faire... Écoute, Hans, j'ai une mission extrêmement importante à te confier. Il faut que tu tiennes cette épée. Fais attention à ne pas te couper. C'est vrai. Mais merci, monsieur, merci. L'épée qui pèse 50 kilos, le gars. Ouais. Il la tient et... C'est vachement lourd. Et tu la sors du fourreau ou pas? Ou tu le tends avec le fourreau? Non, je le laisse dans le fourreau, j'ai pas envie qu'il se coupe les mains. D'accord. Je faisais souvent ça avec mon père, je préparais ses armes avant qu'il aille à la guerre. Je peux... Enfin, je sais qu'on... Je sais que c'est sacré pour vous, votre arme, mais est-ce que je peux... Bon, d'accord, non. Non. Moi, je croyais que tu t'es avancé comme ça, parce que s'il allait dire « Je peux astiquer votre épée », là, j'aurais... Voilà, je peux astiquer votre arme. J'ai tout fait pour tourner autour du pot, vous remarquerez, c'était pas facile. Et donc, très bien. Du coup, il a l'air un peu déçu, mais honoré quand même de porter ton arme. Il m'a pas dit ce qu'il voulait, attends. Il voulait préparer tes armes. Vous voyez que je suis sympa. Ouais. Bon. Hey. Avec les petits enfants. C'est sûr que quand les gens sont pas mourants, t'es quelqu'un d'adorable. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais toi, Bob? Ah bah je viens vers Chine, je lui demander pourquoi, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui se passe. Bob, tu te rappelles tous les jours tu râles parce que tu dis qu'on te laisse pas utiliser tes pouvoirs pour tout cramer? Eh ben là c'est ton jour, Bobby. Faut y aller. Tu veux que je tue ses enfants, mais... Regarde là-bas. Non, pas le gosse. Non, laisse-le frotter l'épée. Là, il s'amuse avec Théo. Regarde là. Voilà. Va le décolleter. Là. Dans les buissons. Regarde, je te le montre avec... Des cocons d'araignée de partout. Oh, moche. À côté du cours d'eau. Et regarde à droite, il y en a aussi ici. Oui, c'est ça que j'ai regardé d'abord. À côté du cours d'eau, et la gonzesse qui est en train de laver son linge dedans, vérifie son bol. Délivré. Non, et oh. Araignée. C'est ça. Ceci est un. Alors, je vais demander. Je vais faire deux actions déjà. Je vais demander à. Il faudrait pas effrayer le gamin parce que là, il est tout content. Non. Il a rencontré son héros, Buzz l'éclair. Je vais demander à Chine de. Chine, si tu peux. Bof. 5 secondes. Chine, si tu peux regarder à l'intérieur de l'eau que la gonzesse est en train de faire sa lavandière avec sa lessive ou quoi que ce soit, voir s'il n'y a pas des résidus d'eau ou si elle n'est pas en train de laver ses vêtements à grands coups d'araignée par acquis de conscience pour éviter les éclosions sur des personnes. Grun, qui est à côté, il peut vérifier. Si tu peux, Grun, ce serait formidable. Si elle n'est pas en train de laver l'eau avec tu sais quoi. Voilà, exactement. Chine demande à Théo de prendre le gamin et de le distraire en l'emmenant vers la carriole un peu plus loin tranquillement et de lui dire de ne pas s'inquiéter. Enfin, toi, je t'invite à t'occuper de madame si présente, de lui expliquer doucement la situation, que tout est sous contrôle, que ça lui paraît très 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 bizarre, mais qu'il ne faut surtout pas qu'elle s'inquiète, c'est parfaitement normal. Et pas criminel. Tu vas mettre le feu. Tu sais que le feu, ça s'étend. Non, s'il te plaît, mon travail, c'est de contrôler le feu.
J'ai réussi à en éteindre un. On devrait pas, on devrait pas simplement les décrocher et les bousiller. S'ils sont pas à maturité, c'est comme écraser des larves. Hein. Ça fait pas. Il y en a un petit peu partout, apparemment. Le problème, s'il y a des cocons, il y en a beaucoup. Il faut nettoyer ça par le feu. Le problème, c'est que la capacité principale de ces araignées, c'est de créer un sucre ou un produit qui est capable de faire l'infection qui te ronge apparemment les veines. Donc si leur sang, leur bile est à moitié développée à l'intérieur et que tu presses ça entre tes doigts, je donne pas cher de ta peau. On a peut-être de la baume on a peut-être de la pommade pour soigner de ce bordel, mais on n'en a pas des caisses. Attends deux secondes. Regarde au nord. Là aussi, un arbre ici et un arbre là. Est-ce que vous avez vérifié qu'il n'y en ait pas dans tous les arbres? Parce que sinon, le feu risque simplement de réveiller ceux des autres arbres. Le souci, c'est que ces deux-là sont connectés au cours d'eau. Ce faisant, ça pourrait se répandre à l'intérieur et infecter tout le monde. Tout le monde a besoin de boire de l'eau et donc tout le monde va se reproduire à grands coups d'eau à la alien. Ouais, non, mais d'accord. Sauf que ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça, la nana, quand même. Bah, elle a rien vu pour l'instant. Elle n'est pas au courant, elle n'a rien vu. Bah, c'est tout frais, ouais, s'il faut, c'est tout récent, donc elle n'a pas eu le temps la de pauvre, voir. La pauvre, c'est ça, elle a vu de l'uranium, elle fait « Oh, c'est joli, ça brille !» Comme ça, tu vois. C'est... Ah, c'est un peu salé. Enfin, moi, qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas. Moi, je dis juste que vous êtes méfiant. Attends, je dis juste ok, mais deux choses. Vous allez faire un feu, ça va. Les gens, il y a les gens, il y a le village juste à côté. Les gens vont se demander un peu ce que c'est. Deux, ça va peut-être réveiller les autres araignées. Alors c'est très bien de cramer les araignées qui vont tomber dans l'eau. Mais si c'est pour ensuite en avoir 50 qui éclosent à côté de nous, c'est pas non plus l'idée du siècle. Je pense pas que ça les réveillera. Trois, mais c'est pas faux. Et trois. Non, je sais pas. J'ai oublié. voilà. J'ai oublié. Très bien. Donc primo, qu'est-ce que vous décidez? Deuxième primo, troisième primo. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que j'ai le droit de faire un jet d'érudition pour prévoir éventuellement la réaction de tout le bordel et avoir un indice sur ce qui se passe? Non, mais c'est vrai qu'il y a un point important, c'est qu'on a réussi à s'infiltrer en passant par le trou de la muraille et tout, donc là, si on commence à faire un feu avec la fumée, on va se faire repérer direct, quoi. C'est un gros bordel, ouais, voilà. Le problème, c'est que si on les laisse comme ça, dans combien de temps ils éclosent les machins? Et la lavandière et son gosse, je leur donne pas 3 jours. Sachant que je vais te rappeler quelque chose. Loin d'ici, deux secondes, les mecs. Pour s'inquiéter. Je vais te rappeler quelque chose, Bob, que je t'avais signalé suite à une très bonne réussite que tu avais eue dans un épisode précédent sur ton test d'érudition lorsque tu as analysé les araignées. Tu te souviens aussi que les araignées sont connectées et qu'il y a des chances à ce qu'elles fonctionnent. Leur vitalité fonctionne par nid. Donc en remontant, en imaginant que vous trouviez l'origine de cela, vous pouvez espérer, surtout toi, oui, en tant que si on tue la reine, buter la source et donc tuer tous les subséquents. D'accord. Donc voilà, je suis quasiment sûr qu'il doit y en avoir dans tous les arbres qu'on va rencontrer. Donc pour moi, ça sert à rien de montrer coucou, on est là, on en a buté 4, il y en a 1000 qui vont pop. Bon, voilà. Moi ce que je propose, c'est dis à la lavandière de vider son eau là dans le lac au cas où il y a des œufs ou des saloperies comme ça, et condense-en, viens, claque un peu de mana pour en faire un petit peu. Fais-lui un seau d'eau propre, bordel de merde, comme nous quand on se lave le cul le matin, comme ça au moins elle peut laver son linge, elle s'inquiète pas, elle se dit qu'ah là là, il y a un peu de mercure dans cette eau, tu lui dis que c'est pas bon, qu'elle est trop calcaire, une connerie, n'importe quoi. Après, l'eau est peut-être pas atteinte pour le moment, d'ailleurs j'ai vu quoi dans cette eau hein. Oui, c'est vrai que pour l'instant on n'est pas sur l'eau, c'est juste de la spéculation. Ah, donc, c'est dans l'arbre. Tu te penches, alors après avoir conversé donc à voix basse pour pas trop alarmer outre mesure du moins la jeune femme Grunleg, donc je te laisse diriger vers les dents. Donc tu t'approches donc avec toute la prudence nécessaire et tu te penches et tu vois donc au bord de l'eau, en dessous de la surface, quelque chose bouger dans des cocons. Il semblerait que les créatures arachnéides aient évolué.